Bonjour, c'est Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. J'avais envie de manger une soupe au miso ce midi. Et donc, je me suis dit, on va faire une vidéo et je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Les soupes au miso, c'est vraiment super simple pour transformer ça en soupe repas ou alors pour agrémenter une soupe normale. Là, cette fois-ci, ce sera vraiment une soupe repas. Donc, j'ai une grosse cuillère à soupe de miso et j'ai pris des champignons non cuits, un petit peu d'oignon, du persil, de l'échalote. Là, c'est de la choucroute qu'on a fait il y a une semaine ou deux, un peu de carottes, de la lime. Et là, c'est des champignons et des oignons déjà revenus. Et on va mélanger tout ça, ça va vraiment être super bon. Puis il y a aussi de la feuille de nori, je vais ça comme algue, et ensemble ça va vraiment bien. Et j'ai de l'eau chaude, qui n'est pas bouillante, mais proche, en tout cas peut-être à 80 degrés. En gros, vous faites bouillir et puis vous attendez quelques minutes. L'idée de base, c'est qu'on n'a pas envie d'ébouillanter notre miso, parce que c'est vivant quand même à l'intérieur, donc on a envie de le diluer, mais... On a envie que ça soit encore aussi nourrissant que possible. Et ça ne sert à rien de l'ébouillanter, vraiment. Donc voilà, je vais ajouter tous les ingrédients et vous allez voir. Et voilà, ça prend à peu près 5 minutes à préparer. C'est vraiment extrêmement simple à faire. Vous pouvez vraiment mettre les ingrédients que vous voulez. Moi, mes ingrédients, vous avez vu, j'ai mis très peu d'oignons parce que l'oignon cru, c'est quand même fort. Vous pouvez vraiment mixer. J'ai mis de la choucroute, mais j'aurais pu mettre du kimchi. J'aurais pu mettre un petit peu de salsa à l'intérieur. Le miso apporte une bonne base qui est protéinée quand même et très, très digeste. C'est vraiment bon. Et aussi bon pour le goût que pour la santé, ça remplit bien, c'est vraiment le fun à faire et ça diversifie aussi les usages de ce qu'on peut faire avec des fermentations. C'est pas juste en salade, mais une soupe repas, c'est vraiment le fun. Bonne fermentation, bon appétit!